Solide composé, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le solide que je te propose, tu l'as dans tes notes de cours, c'est une yourte, donc une espèce de tente. Je t'ai fait le dessin ici, je veux le faire bouger pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, on a un prisme à base hexagonale sur lequel on a déposé un toit en forme de pyramide. Donc, tu vois bien. L'idée, si on parle d'un point de vue géométrique, c'est qu'une pyramide est collée sur le prisme. Donc, là où j'ai mis de la colle, là, je te ramène à mon dessin, là où j'ai mis de la colle, cette surface-là, je ne vais pas la calculer. Je te mets ça en blanc. La colle, d'habitude, c'est blanc. Donc, toute la surface collée, ça, je ne dois pas calculer l'aire de ça. Si j'avais à peinturer ou à mettre de l'enduit imperméabilisant, comme c'est le cas dans notre problème, ben, j'en mets pas là où j'ai mis de la colle. Donc, ça, c'est une surface à enlever habituellement ou à ne pas calculer. Donc, ça, c'est le principe à retenir pour les solides qui sont collés un par-dessus l'autre. Là, je vais remettre sur ton dessin, il te manquait une mesure. Apothème, on va mettre de la pyramide, PY, 2,1 mètres. Donc, toutes les mesures dans notre problème sont en mètres. Je ne les ai pas écrites sur le dessin. Je n'ai pas marqué le mètre parce que ça devenait très lourd. Donc, on veut construire une yourte, une tente recouverte d'une toile imperméable. La partie du bas habitable. Donc là, on me parle du prisme. Ici. On me dit qu'elle est de forme hexagonale. Fait que là, je viens de comprendre que N est égal à 6 côtés. Ça, c'est l'information dont on me donne. Puis, forcément, on voit aussi que la pyramide, N, est égale à 6 côtés aussi. Ensuite de ça, j'étais rendue où? La partie du bas habitable est de forme hexagonale et mesure 2 mètres de haut. Donc, tout ce qui concerne mon hexagone, je vais aller le mettre en bleu. Choisis une couleur. Donc, l'hexagone a une hauteur de 2 mètres. Ensuite de ça, on me dit que le côté vaut 3,18. Ça, c'est la valeur de C. Pourquoi j'utilise la couleur? C'est que ça va m'éviter dans mes formules de mettre plein de petits indices. Donc, hauteur vaut 2, côté vaut 3,18. Et l'apothème de la partie du bas, donc l'apothème du prisme, vaut 2,75. Donc, ça, c'est l'apothème de ma pyramide, 2,75. En le mettant en bleu, ça va faciliter mon travail tout à l'heure. Ensuite de ça, j'ai pour le toit. Donc là, on est rendu à parler de la pyramide. Elle est de forme pyramidale avec un côté de 2,33. Change de figure, fait que je vais changer de couleur. Ma pyramide, on me dit qu'elle a un côté de 2,33. J'espère que tu vois bien. Je vais l'écrire ailleurs, tiens. Donc, le côté ici, 2,33, toujours en mètres. L'apothème de la pyramide mesure 2,84. Ah, je l'avais donné finalement. Donc, l'apothème 2,84. Ça, c'est l'apothème pour ma pyramide. Détermine l'aire totale à peindre d'enduit imperméable. Bon, là, il faut que tu réfléchisses un peu. L'enduit imperméable, est-ce que je le mets sur le toit en forme de pyramide? Oui, il en faut. Est-ce que j'en mets sur le petit rebord du toit ici? Aussi. Est-ce que j'en mets sur les murs? Oui, il en faut. Est-ce que j'en mets sur le plancher? Non, il n'y a pas d'enduit imperméabilisant sur le plancher. Par contre, si la question c'était, on construit une yourte, on a besoin de toile et on te donne comme consigne qu'on met aussi une toile au plancher, qu'on ne sera pas directement sur le gazon, mais sur une toile, comme dans la plupart des tentes, ben là, il faudrait que tu calcules l'aire du plancher aussi. Donc, tu prends le temps de réfléchir dans ce contexte-là, quelle partie je dois prendre en compte. Donc, ensuite de ça, l'idée, c'est que tu vas décomposer ton gros solide en petits morceaux. Donc, l'aire totale que j'ai à peindre d'enduit imperméabilisant, moi, je commence habituellement par en haut. Donc, la première étage, c'est ma pyramide. Elle est composée de six triangles. C'est l'aire latérale de ma pyramide, en fin de compte. Donc, j'ai six triangles qui ressemblent à ça. Fait que tu peux aller réécrire tes formules, tes mesures ici. Mon triangle a un côté de 2,33,
Ah, là, je viens de voir que j'ai fait une erreur. C'est ça. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de louche. Je recommence ça ici. Ce qu'il ne te donnait pas comme mesure, l'apothème, c'est 2,1. L'apothème de la base, on va écrire ça clairement pour qu'on se comprenne bien. Si je le mets en blanc, ah, c'est mieux comme ça. Apothème de la base, 2,1. Puis je vais te mettre en rose, tiens ici, l'apothème de la pyramide, ce que c'est deux choses différentes, 2,84. Bon, là, on est en affaire. Là, ça va marcher. Donc, mes triangles, ils ont comme information d'avoir une hauteur, là, si je te parle en termes de triangle, la hauteur est 2,84, le côté 2,33. Si ça t'aide, tu viens les réécrire ici. 2,84. Ça serait la hauteur de mon triangle. Ça serait la base de mon triangle. Et là, je vais travailler colonne par colonne. Donc, j'ai six triangles, six fois. La formule pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par deux. T'oublies pas ton divisé par deux. Et là, il va me rester qu'à remplacer et à faire le calcul. Donc, une fois tout remplacé, et le calcul fait, j'arrive avec 19,86. Ça, c'est l'aire de mes six triangles. Est-ce que tu pourrais passer directement de cette ligne-là à celle-là? Oui, je l'accepterais parce que c'est juste du calcul, du pitonnage sur ta calculatrice. Donc, on est rendu à la deuxième étape. Donc, deuxième colonne. Là, je vais calculer le beigne. Les triangles, les six triangles que tu vois ici ont déjà été calculés au début. Si je te montre ça avec la flèche, les six triangles sont déjà inclus là-dedans. Donc, eux autres, je ne vais pas les prendre. J'en ai pas de besoin. Ils sont déjà calculés ailleurs. Par contre, ce que j'ai de besoin, là, je vais essayer de te mettre ça sur le dessin, c'est l'espèce de bain que je vais te mettre, tiens, en vert. Le bain qui est tout le tour de ta pyramide, là. Comme ça ici. Et j'en ai besoin de juste un. Là, t'oublies pas, le plancher, on n'en met pas de ça, là. Donc, je travaille à calculer l'aire du beigne. Comme ça ici. Donc, logiquement, ça serait l'aire du grand hexagone moins l'aire du petit. Fait que je vais écrire ça. L'aire du grand moins l'aire du petit. Vois-tu que ça devient plus facile si tu mets de la couleur parce que tu as besoin de moins préciser tes choses un peu. La formule pour l'aire du grand, ça va être canne sur 2 moins canne sur 2. Ah là, je me retrouve avec deux couleurs pareilles, là, ça ne marcherait pas. Fait qu'on va changer. On se reprend deux autres couleurs. Donc, disons que le grand hexagone, là, j'essaie d'en choisir que je n'ai pas pris déjà. Je vais prendre le rouge pour calculer l'aire du grand. Fait que je le mets en rouge sur mon dessin. Puis je vais venir mettre ça ici en rouge aussi. Donc, l'aire du grand moins l'aire du petit, ben lui, je peux le laisser en vert. Comme ça, j'aurai deux couleurs différentes pour séparer mes morceaux. Fait que la formule pour l'aire du grand, canne sur 2, moins l'aire du petit, qui est la même formule parce que c'est deux hexagones, canne sur 2 aussi. Et là, il te reste à trouver tes mesures et à remplacer. Le côté de mon grand hexagone, je retourne voir, c'était 3,18. 3,18. L'apothème de mon grand hexagone. Là, je dois le repérer sur mon dessin. C'est ce qui est en bleu ici. Donc, 2,75. Puis le nombre de côtés, c'est 6. Divisé par 2. Puis je fais pareil avec ma partie en vert. Donc, la mesure d'un côté de mon petit hexagone, là, je dois aller chercher mes informations à la base de la pyramide. Le côté du petit hexagone, il vaut 2,33. Donc, 2,33. L'apothème, ça, je te l'avais fait rajouter parce qu'elle n'était pas donnée. Donc, 2,1. Le nombre de côtés, c'est 6, divisé par 2. Et il te reste à faire le calcul de tout ça. Donc, une fois tous les calculs effectués, j'arrive avec l'aire pour mon beigne, donc la partie qu'on a mise en vert, qui est ici.
Je te montre ça avec la flèche, donc la partie en vert ici, qui mesure 11,56. Là, tu te méfies. Je vais essayer de te mettre ça en noir là, sur le calcul. Des fois, tu as des plus, des fois, tu as des moins. Hein. Porte attention à ça. Ce n'est pas toujours une addition qu'on fait parce qu'il y a des parties qu'on enlève des fois. Donc, je suis rendue à faire le calcul de mes 6 rectangles, donc les murs de mon écrou. Si je te mets ça en bleu sur le dessin, ça correspondrait à mes 6 murs ici. Donc là, je t'en ai mis un, il y en a 6 au total, comme ça ici. Donc, tu vois bien que c'est 6 rectangles qu'on calcule. La formule, tu pourrais prendre la formule de l'aire latérale d'un prisme. Ou tu pourrais y aller simplement avec j'ai 6 rectangles puis la formule que tu as apprise au primaire. Moi, j'accepte les deux. Donc, j'ai 6 fois. Je vais reprendre du bleu. La formule pour calculer l'aire du rectangle, c'est. Moi, je prends base fois hauteur, prends la tienne. Donc, 6 fois la base, on a 3,18. La hauteur, on a 2. Et il te reste à faire le calcul de tout ça. Donc, le calcul effectué pour la partie bleue, ça me donne 38,16. Donc, ça, c'est l'aire de juste les murs de ma tente. Donc, au total, la surface à imperméabiliser est de 69,58. Donc, ta démarche, je vais essayer de la rapetisser un petit peu pour que tu vois bien à quoi ça devrait ressembler. Donc, colonne par colonne, tu sépares tes choses en couleurs, ça facilite la vie. Et puis toi, ça va te permettre d'éviter les erreurs. Donc, ce problème-là, tu pourrais le retrouver dans une compétence 1. Je te donne un exemple, ça pourrait être un camping sur lequel on a mis des yourtes. Il faut calculer la quantité d'imperméabilisant à acheter. Donc, tu aurais à calculer l'aire latérale de tout ça. Puis, je pourrais te rajouter de l'aménagement. Donc, on met des voyages de sable ou on met du gazon ou des tables à pique-nique. Donc, il y aurait différents items à rajouter, mais ça serait un gros morceau de ta compétence 1 qu'on voit régulièrement. Donc, les stratégies, tu prends de la couleur, tu y vas morceau par morceau, tu prends le temps de réfléchir quels morceaux je dois calculer et lesquels ne sont pas nécessaires. Dans notre cas, le plancher, on n'avait pas à le calculer. Tu essaies de visualiser en 3D ton objet. Si tu as besoin, tu demandes à ton prof de t'en fournir un ou d'en trouver un ressemblant pour t'aider. Donc, c'est vraiment l'étape critique, c'est vraiment le début de réfléchir et de séparer ça morceau par morceau. Encore une fois, ce problème-là, ça se fait à la largeur de ta page, ça ne se fait pas sur un petit coin de feuille. Si c'est tout taponné, c'est sûr que tu vas te tromper dans tes mesures. Donc, je te souhaite bon travail!